Depuis 8 ans, je réalise différentes missions comme le suivi d'expérimentation dans un laboratoire souterrain. Je travaille à l'ANDRA sur CIGEO, le projet de stockage en profondeur de déchets radioactifs. J'étudie la corrosion, c'est-à-dire l'altération des matériaux métalliques dont l'utilisation est envisagée dans ce stockage. Au bureau, je prépare les expériences, je rédige des rapports scientifiques et je participe à des réunions d'échange avec mes collègues. L'ensemble de nos études contribue à la conception et à la sûreté de CIGEO. Dans le laboratoire à 490 mètres de profondeur, je réalise des mesures de vitesse de corrosion de l'acier dans l'environnement du stockage. Cela permettra, entre autres, d'optimiser le concept de stockage de déchets radioactifs de haute activité. Donc là, je viens faire des vérifications sur les dispositifs expérimentaux, des choses que je ne peux pas faire depuis mon bureau, comme vérifier la température, augmenter la température, la pression dans la chambre de test. Alors, ce qui me plaît le plus, c'est les projets nouveaux, avec des nouveaux challenges. Et travailler par exemple en laboratoire souterrain me plaît particulièrement puisque on est forcé de travailler avec d'autres collègues dans des domaines complètement différents et ça nous permet de mieux comprendre en fait notre propre métier, notre propre domaine. Ce poste de travail me permet de faire du sport le temps de midi avec une collègue qui est aussi une amie dans le cadre naturel de l'entreprise. Et quand le temps ne le permet pas, on dispose également d'une salle de sport sur le site. Alors le sport, ça me détend, ça me permet d'être dynamique et ça me permet de me sentir bien. Le boulot et le sport, c'est un bon équilibre. Mon parcours scolaire a débuté par un bac scientifique. Ensuite, j'ai poursuivi par une école d'ingénieurs matériaux. Et ce qui m'a vraiment motivée, c'est que j'ai eu l'opportunité de poursuivre avec un master corrosion en Angleterre pour apprendre l'anglais, découvrir d'autres personnes du monde entier. Et j'ai terminé mes études avec un doctorat sur la corrosion, toujours en Angleterre. En dehors du sport, j'ai aussi une passion pour la lecture. Je fais d'ailleurs partie d'un café lecture dans la commune où j'habite. C'est un lieu très sympathique qui permet d'avoir des échanges, du partage, c'est très convivial et deux ou trois fois par an, on a en plus des manifestations à plus grande échelle. Alors aujourd'hui, ce qui me rend heureuse, c'est de pouvoir concilier à la fois ma carrière professionnelle, ma vie de famille, le sport, la culture, de façon très harmonieuse. Allez les filles, osez les sciences !